Délégation de l'UNTM. Bon, écoutez, de passage, permettez-moi de demander aux camarades membres de l'UNTM ici présents de transmettre nos salutations fraternelles au secrétaire général, camarade Catilien, qui a bien voulu les envoyer vers nous. Vous savez, nous sommes concernant l'extérieur et ils sont les gardiens, les anges gardiens en tout cas de l'ensemble des travailleurs du Mali à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc quelque part nous faisons un peu la même chose. Donc si une telle initiative est créée, je pense, pour essayer d'harmoniser ce que nous faisons à l'extérieur et qui ont aussi cette lourde et grande responsabilité d'élargir la défense en tout cas des travailleurs non seulement du Mali à l'extérieur, mais des travailleurs aussi de l'extérieur qui sont au Mali. Moi, je pense que c'est une initiative à saluer. Nous avons échangé et je vous assure que l'échange a été fructueux. Et comme nous avons promis, en tout cas, de matérialiser tout cela pour essayer, n'est-ce pas, dans un très proche avenir, de faire en sorte que vraiment tout ce qu'on s'est dit ici puisse être vraiment mis en œuvre, afin de permettre la défense, en tout cas, des travailleurs maliens, dans non seulement au niveau de l'intérieur du Mali, comme j'ai dit, à l'extérieur. Donc, comme le Haut Conseil, vous savez, nous sommes représentés presque dans le monde entier. Et bien, écoutez, eux aussi, ils sont en train d'élargir le réseau dans beaucoup déjà des pays. Hein, donc, en leur demandant de tout faire pour eux-mêmes essayer d'amener ceux qui sont observateurs à s'impliquer davantage afin de défendre. Parce que nous sommes un peu partout, hein, vous savez, les Maliens. Nous sommes, comme vous le savez, établis dans tout et partout. Donc, c'est vous dire que l'importance de cette rencontre avec l'UNTM chez nous n'a pas un niveau. C'est saluer alors la délégation qui est venue et en leur demandant de transmettre nos remerciements et nos salutations aux camarades, en tout cas au secrétaire général et à l'ensemble de la composante de l'UNTM.